Bonjour, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vais vous présenter des booktubeurs et des booktubeuses. Ou plutôt non, ils vont se présenter mais dans cette vidéo. Ce sont des chaînes que j'apprécie beaucoup regarder, ce sont un petit peu mes derniers coups de cœur entre l'année 2018-2019 du coup. Ils sont originaux, il y en a qui sont tout récents, il y en a qui ça fait un petit peu, un peu plus longtemps, qui sont installés on va dire dans le booktube game. Enfin bref, je vais arrêter de parler et je vous laisse tout de suite avec ces fabulous personnes. Bonsoir. Si je suis sur la chaîne d'Emma, ou la bouquinade pour le bas-peuple, eh bien c'est pour vous parler de moi. Et oui, car j'adore ça, parler de moi. Vous ne me connaissez pas encore, mais vous m'adorez déjà. Moi, c'est le coin de Mathieu, je parle de plein de choses sur ma chaîne, alors vous allez trouver des updates lectures. The Guinness Chronicles, qui était vraiment... Il va y avoir des petites scènes d'amour. Déjà, le bouquin, il coûte 20€, ouais, je vous avais cru que j'avais les moyens. Vous allez aussi trouver des vidéos où je parle de livres différemment, je sais pas trop comment expliquer ça. Mathieu présente. Entretien avec ma palle, un livre par, comment obtenir le livre gratuitement. Et vous allez trouver plein d'autres choses qui n'ont pas forcément de rapport avec les livres mais qui ont d'autres rapports avec ce que moi j'aime car après tout on est sur ma chaîne. Enfin là pas non, puisque du coup on est sur la chaîne de la bouquinade. Mais t'as capté. Donc vous allez par exemple trouver des princesses Disney. Coucou mes petits somnifères, ici Aurore. Salut mes petits rats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Si je devais décrire ma chaîne en trois mots, je pense que j'utiliserais les mêmes mots pour me décrire moi-même. Licorne, paillettes et beauté. Voilà, si avec tout ça je ne t'ai pas convaincu de venir sur ma chaîne, eh bien tu peux bien aller te faire voir, mais je te fais quand même des bisous. À tous ceux qui veulent venir, eh bah venez parce que plus on est de fous, plus on rit. On se donne la bonne humeur, c'est la bonne franquette. Et je voulais encore une fois remercier Emma de me laisser participer à ce beau projet qui est Share the Love, parce que on a besoin de beaucoup d'amour dans ce monde et Emma en donne beaucoup. Et je veux lui en retourner un petit peu à mon tour. Juste un petit dernier message, parce que je tourne cette vidéo pendant le Pride Month, donc love is love et aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même. Et voilà, bisous bisous, cœur cœur, love love, et je vous fais des bisous. Bisous! Hello! 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 Oui, bon bah c'est bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours des manières un peu cheloues de dire hello au début de mes vidéos. C'est pas toujours très bien validé ou très recherché. Moi c'est Louise, j'ai 24 ans et je tiens donc la chaîne Rêve ta vie en lecteur que j'ai créée il y a bientôt 2 ans. Merci Emma de m'avoir proposé d'apparaître aujourd'hui dans ta petite vidéo, ça me fait super plaisir. Et je vais essayer de vous présenter ma chaîne en quelques secondes, mais étant donné que j'ai perdu déjà 45 minutes avec mes 12 hello différents. On va essayer d'accélérer. Du coup, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver de la littérature jeunesse, fantasy, fantastique, science-fiction, on va dire plus largement tout ce qui touche au domaine de l'imaginaire, c'est mon dada. Il y a évidemment J.K. Rowling avec la saga Harry Potter, pas très original, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça. Je me mets en danger pour la vidéo, mais vous l'aurez compris, la saga des Chroniques Lunaires a une place très très importante dans mon petit cœur. C'est une saga qui représente à peu près tout ce que j'aime si on mélange les contes, l'univers de Disney, la fantasy. Je pose parce que je suis en train de me faire les muscles. En tous les cas, j'espère que ça vous aura donné envie de me retrouver et j'espère qu'on pourra parler lecture. Gros bisous et à bientôt sur la chaîne. Salut les abonnés d'Emma, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Gwendoline, j'ai 23 ans, j'adore les chats, les tartes au citron meringué et Taylor Swift. Quoi ? Ah, c'est pas de ça dont je dois parler aujourd'hui. Ok. Donc ma chaîne s'appelle Délivrer mes envies. Vous avez compris le jeu de mots? Depuis 3 ans maintenant sur ma chaîne, j'adore parler bouquins, toujours confondus, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la littérature jeunesse. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos du type update lecture, mais aussi des vidéos qui sont autour de la créativité, des petites sketchs en rapport avec les livres, sur un thème particulier comme Halloween. Mon téléphone s'en souvient encore. Si c'est un jeu, c'est pas grave du tout! It was at this moment that he knew. Si je devais résumer ma chaîne en une phrase, je dirais que c'est un lieu où on va parler de livres, sous des formats et des contenus complètement différents et variés, tout en restant fun, amusant et j'espère intéressant à regarder. Et en parallèle, vous pourrez retrouver des vlogs de voyages, de musique, et voilà. Je tiens vraiment à remercier Emma du fond du cœur de m'avoir fait participer à ce projet. C'est vraiment un honneur d'être aujourd'hui sur sa chaîne et de pouvoir présenter mes vidéos. Vous avez encore plein de belles découvertes à faire, donc je laisse la place à un autre incroyable booktubeur ou booktubeuse. Bye. Hey, coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Emma La Bouquinade. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'apparais, mais Emma m'a proposé de participer à cette vidéo qui consiste à présenter du coup des chaînes YouTube qu'elle regarde ou qu'elle aimerait vous faire découvrir.
Du coup, moi je m'appelle Anaïs de la chaîne Sianabook, j'ai 23 ans, je suis en 3e année d'infirmière, je suis aussi pompier volontaire, je fais pas mal de sport, dont de la Zumba, et ma passion c'est la lecture, ça se voit je pense. J'ai pas que ces deux bibliothèques, j'en ai une troisième. Et dedans, il y a principalement de la romance, c'est ce que je lis exclusivement en ce moment. Mais mes lectures de base sont tout ce qui est young adult, science-fiction, fantasy fantastique et jeunesse. Mais en ce moment, j'essaye de sortir de mes sentiers battus en lisant Maxime Chatham, les Game of Thrones qui sont à un niveau supérieur. J'aimerais découvrir Robin Hobb, du Musso, etc. Du coup, sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos en rapport avec la lecture, mais pas que. Je fais des vlogs de salons littéraires, mais aussi de salons jeux vidéo. Quand je pars en vacances, là, la prochaine catégorie, ça va être un peu sport extrême avec de l'acrobranche ou du trampoline. Je fais aussi des vidéos, un peu des tags, des petits jeux avec les copines, dont Emma. des swaps, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Je vous présente mes lectures du Color Challenge, qui est mon challenge que j'ai créé cette année, donc allez-y. Et plein d'autres vidéos, du coup je vous invite à aller sur ma chaîne pour les découvrir, et merci encore une fois Emma de cette opportunité. Je vous dis du coup bon visionnage de la suite de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Pardon, que je me présente. D'accord, et qu'en plus je vous donne mon prénom. Je pense que vous êtes vraiment trop curieux. Non, plus sérieusement, je m'appelle Mélanie et je viens tout juste d'ouvrir une petite chaîne YouTube qui s'appelle Strawberries Books, où dessus on peut retrouver du livre, du bullet journal, pour l'instant quelques vlogs sur des salons, des choses comme ça. Ça vient tout juste d'ouvrir, donc il n'y a pas encore énormément de contenu, mais il y a énormément d'idées là-dedans. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez me suivre, c'est par ici. Et je remercie énormément Emma pour le partage. Et j'espère que tu continueras à autant aimer mon petit humour. Parce que c'est toujours avec un petit trait d'humour quand même. Parce que sinon, on s'ennuierait quand même. Parce que voilà. Donc voilà, j'espère vous retrouver là-bas. Salut, salut. Bon alors, ça vous a plu? J'espère que du coup, ces chaînes ont réussi à vous séduire et j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles personnes, ou alors si vous les connaissez déjà, eh bien tant mieux, vous avez réussi votre vie. J'avais déjà réalisé ce Share the Love spécial booktube l'année dernière, j'avais beaucoup aimé le faire, envoyer des messages aux personnes pour que savoir s'ils voulaient participer, etc. Et puis même le rendu final et les retours qu'il y a eu, j'ai été vraiment super contente. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !